Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce procès de... Oh, tu m'agaces! Rappelle-moi un peu son nom, il s'appelle encore comment? Martin Camus-même. Je déclare la séance ouverte! Monsieur le juge, bien vouloir appeler à l'accusé les faits qui lui sont reprochés. Parce qu'il y a l'hôpital quelque part qui a un mot. Hey! J'ai une photo, oui, soit une siasianga. Et la fille, que faisait-elle? Est en train de tailler une pipe. Que quoi? Est en train de tailler une pipe. Monsieur le juge, vous avez la parole. Accusé, veuillez décliner votre identité. Mais je suis Martin Kamim, qui est l'un des meilleurs commentateurs de matchs en Afrique. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je ne veux pas parler de ce sujet. Tu es sûr de toi? Veuillez garder votre cas. Faites appel à son avocat. Bonjour, bonjour, bonjour. Monsieur, vous venez au tribunal avec de l'alcool? Excusez-moi. Expliquez-vous aujourd'hui sur ce qui vous est reproché. Vous dites que Martin Kamim agnace une petite fille dans son bureau. Dans un tribunal, surveillez votre langage. Un, la fille-là n'est pas petite. Deux, c'est une très jolie gars. Trois, elle est majeure. Quatre, sous son habit-là, après mes enquêtes, elle était sans caleçon. Hey! Que quoi? Elle était sans caleçon. Foutions votre obstacle! Objection retenue. Mais avant de commencer, présentez-vous d'abord. Bonjour les enfants. C'est papa. Bonjour papa. Comment s'appelle le monsieur là? Ben Benjo Benjamin de Benji. Non, tu le connais? Le bonhomme s'y est marié, il a des femmes, des enfants, il travaille, il est journaliste à Canal 2. C'est vraiment grave. C'est très grave mon frère. After les analyses et les enquêtes du biocolis. Mais à la place de Camus, une fille comme ça entre dans ton bureau, tu fais comment? Je ignore ça, c'est mon. Mais oui, c'est... Que quoi? Je ignore ça, c'est mon. Évitez tout écart, je vous rappelle que vous êtes à la barre. Bon, revenons à l'avocat de l'accusé. Maintenant, disons même qu'il agnace. Ce petit pervers là que vous écoutez, il dit que même si tu agnaces, où est le problème? Silence! Ou je fais éjaculer la salle maintenant, hein? Mais monsieur le juge, faut dire quelque chose. Donc, monsieur Mime est un handicapé qui mérite protection. Foutions votre obstacle! Objection retenue, justifiez-vous monsieur. Parce que le seul instrument de l'acte sexuel qu'on doit juger, c'est la virilité. Je ignore ça, c'est mon. D'accord, Martin. Tu as fait ou tu n'as pas fait? Je ne répondrai pas à cette question. Parce que je ne suis pas venu ici pour me justifier devant les gens. Que quoi? Je ne suis pas venu pour jouer le beau ou le coupable ou la victime. Ça ne m'intéresse pas. Qu'on peut demander à Martin Kamim de fermer sa gueule? C'est un sacré. Sacré. Ok. Mais papa, laisse quand même qu'il se défend aussi, non? L'ami d'Eto, c'est toi. Le fils d'Eto, c'est toi. Le frère d'Eto, la petite copine d'Eto, c'est toi. Avocat, dis quelque chose. Vous voulez faire la jalousie à un gars? Oui, je suis pervers narcissique. Hey! Combien de fois vous avez déjà gnassé les filles dans vos voitures? Je n'ai pas compris. Ce que vous avez fait aux toilettes. C'est vraiment grave. Les choses que vous avez faites dans les voitures, dans les bureaux des gens. Comment vous nous faites souvent un petit décalage stringal? Que quoi? Un petit décalage stringal. Oh, tu m'agaces. Il a même joui. Que quoi? Il a joui. Vous allez voir. Vous allez voir. Hey, toi aussi tu dis quoi comme ça? Papa, papa, viens, viens, viens. Viens arrêter ton frère-ci. Oh Benjo, tu peux pas savoir comment je suis déçu mon frère. Après tout c'est quand même ton frère non? Moi tu proposes qu'on fasse quoi de lui? Canal 2 devrait te virer Ben Benjo, Benjamin, Benji. Ta femme devrait te quitter. Tes enfants devraient avoir honte. Mais oui c'est... Matin, viens nous donner ton mot de fin. Je déclare la séance. Très prochainement, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner. J'attends vos commentaires. C'était Ludovic Amdem.